Salut les amis, est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez passé avec la tempête une bonne semaine? Parce que chez nous il fait que pleuvoir, c'est la folie. Et voilà. Donc chez nous, coucou Caldarel, est-ce que ça va bien? La forme, il y a des jeux qu'on a fait ensemble. Mais on n'a pas tout fait des jeux ensemble. Alors les gars, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo des jeux testés. Et en fait, on a fait une semaine. Enfin, j'ai fait presque 2 semaines intensives, mais genre un truc vraiment intensif. Du coup, ce fut un peu compliqué. J'ai fait, je crois, 25 jeux, ou enfin une vingtaine de jeux que j'ai testés en 2 semaines, plus les jeux qu'on a rejoués, plus les jeux qu'on a, on va dire, voilà, des jeux que j'ai déjà présentés et que j'ai pas remis là-dedans. À chaque fois, je vais essayer de mettre les nouveautés, enfin, en tout cas. Pas des nouveautés, mais je vais pas vous reparler des jeux que j'ai déjà notés. Ça sert à rien, aucun intérêt. Voilà. Du coup, ça va. Et Mathieu, ouais, t'as vu, il y a eu du vent de fou, hein. Nous, on a eu du vent de fou à Bordeaux. Mais bon, il y a eu pire que nous, donc ça va. Mais ouais, là, cette semaine, enfin, pendant 2 semaines, là, j'ai joué beaucoup. La semaine dernière, j'ai fait que jouer. Enfin, non, cette semaine, d'ailleurs, j'ai fait que jouer. Donc depuis, je crois depuis samedi, j'ai pas arrêté de jouer tous les jours. Donc je suis un peu fatigué de jeu. Et hier j'ai joué aussi, mais j'en ai pas parlé encore. Voilà. Du coup, j'ai reçu des jeux aussi que j'ai achetés, comme Château de Bourgogne. Et voilà. Et bien on est parti, hein. Je vais vous montrer un petit peu vite fait. On va essayer de ne pas faire des vidéos qui durent 4h30. Donc on va faire un stream qui va pas durer trop trop longtemps. On va essayer en tout cas. J'ai mis mon bel habit de froid. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien, je sais pas. On doit se voir sûrement avec Mathieu. On va jouer sûrement cette semaine. Si je ne dis pas de bêtises, il m'avait dit qu'on jouerait cette semaine. Allez, on est parti dans les jeux testés. J'essaie de les préparer ce coup-ci. Vite fait quand même. Donc, Château de Bourgogne, Tiwanaku, Tobago. Ok. La route des vignes, les colons de Catène, le jeu de dés, que je ne connaissais pas, la route des vignes non plus d'ailleurs. Cathédrale rouge, paranormal détective, ça c'est quand on a commencé à faire notre soirée Halloween, et potage sauvage. Allez, on est parti. Le premier jeu, c'est les châteaux de Bourgogne. J'ai la version édition de luxe, on va dire, qui est. En fait, c'est un jeu que je connaissais depuis longtemps. Que j'avais joué énormément sur BGA. Il est sur BGA et j'y ai joué beaucoup. Et en fait, j'ai commencé à partir dans l'idée que je vais acheter des beaux jeux. Plutôt que d'en acheter plein, en fait, je voudrais en avoir moins, mais par contre, qu'ils soient de bonne qualité. Donc, du coup, voilà, j'ai acheté la belle édition. En plus, elle était en promo chez Philibert. Il y avait une réduction et vous aviez un jeu en plus. Donc, c'était quand même plutôt cool. C'est pas donné parce que la boîte elle est à 180 et là je crois qu'elle était à 130 ou 140 donc c'est quand même voilà. Du coup il y a une autre boîte avec et là c'est la version de luxe et c'est tout 10 sur 10 et c'est tout. Écoute, je pense qu'effectivement on est pas mal sur un 10 sur 10 quoi. Alors attends, du coup, attends, avant de. Je vais essayer de me. Toi, t'as ça, toi, je crois. Donc, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 70 à 120 minutes une partie. Il y a marqué à partir de 12 ans. On voit quand même que la note chez BGG est de 9,2. On est quand même sur un bon jeu. Je vais vous montrer un petit peu. Alors, on va regarder les photos parce que du coup, j'ai pas mis les photos de mon téléphone. Donc, ça, c'est la version que avec en acrylique, avec les tours. Moi, elles sont pas comme ça, elles sont en plastique rouge. C'est con, j'aurais pu les sortir, mais bon, là, le temps que je sorte, c'est mort. Moi, elles sont en plastique rouge, alors elles sont pas aussi jolies que ça. Mais elles sont belles quand même. Voilà, ça, c'est à droite la version originale, on va dire. Et à gauche, c'est la grosse boîte. J'avoue, la grosse boîte, j'ai été obligé de faire de la place grave dans mon étagère, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elle prenne autant de place. Elle prend vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de place. C'est un jeu où on va essayer stratégique, où il va falloir essayer de se positionner à l'aide de dés. Alors on va dire qu'il y a les dés qui apportent un peu de chance, mais on peut se débrouiller à éviter on peut jouer avec la chance et essayer de s'en sortir quand même.
Je vais essayer de vous montrer. Moi, j'ai des pièces aussi. J'ai des petites tours comme ça. J'ai pas, voilà, moi, j'ai pas ces beaux décors. Après, si on les peint, peut-être que ça peut le faire. Il y a une extension vigne. Alors, dedans, dans la boîte là de luxe, il y a plein d'extensions. Il y a l'extension vigne. Je vais pas vous en parler parce que je ne l'ai pas testé. Mais le principe est le suivant. Voilà, ben, ça tombe bien. Il y a un plateau de joueurs. Le premier joueur va lancer le dé blanc ainsi que les deux dés de sa couleur. Et vous voyez, il y a des. Donc avec les chiffres, il va falloir qu'il positionne des tuiles qu'il aura préalablement stockées ici. Donc on peut en stocker que 3. Et en fonction du dé, il va pouvoir les positionner. Alors si c'est une tuile verte, il faudra forcément qu'il la positionne au niveau des zones vertes. Si c'est une tuile bah, jaune au milieu des. Au niveau des jaunes, ainsi de suite. Là, par exemple, il a fait un. Donc, il les a déjà utilisés, mais par exemple, avec le 4, il pourrait dire je prends mon noix et je la positionne ici. Les animaux font des points immédiatement. Par exemple, 3 vaches, ça fait 3 points. Et si vous arrivez à avoir des animaux adjacents du même type, ben, vous allez compter. Par exemple, si j'ai 4 vaches que je positionne ici, ben, j'aurai 4 plus les 3 vaches d'à côté. Donc, ça peut vite scorer. Et Mathieu l'a fait, et il a fait tout un champ avec que des animaux identiques. Il nous a. Bah, il a gagné, voilà. Moi, j'ai cette version avec. Vous voyez, ces tuiles-là. C'est pas. Voilà, on voit la différence. Elles sont en 3D, elles sont très jolies. Mais elles sont pas. Voilà, elles sont pas. Elles sont plastiques, ceux-là. Voilà. Après, il va falloir que je vous montre le plateau principal, parce que là, je peux pas tout vous expliquer. Mais on a un système aussi. Ça va se jouer en différentes manches. Et plus on va avancer dans les manches, moins faire une zone complète rapportera de points. Donc au début, la première manche, ben, si vous remplissez une zone, je crois que ça fait 10 points directs. Donc par zone. Alors une zone, ben, là c'est une zone bleue. Donc là il y en a deux, mais ça c'est une zone. Hein, il y en a un, ben, ça marche. Les zones beiges aussi comptent des points. Donc il faut essayer de se dépêcher à faire des zones. Le problème, c'est que bien sûr, quand on va positionner nos tuiles, il faut toujours qu'elles soient adjacentes à une tuile déjà posée. On ne peut pas arriver et dire, tiens, d'ici, je vais directement ici. Il faut forcément que, vous voyez, là, toutes les tuiles sont adjacentes, donc on peut venir ici. Donc ça, ça met du piquant. On a ici les bâtiments. Les bâtiments, il faut toujours qu'ils soient différents dans une zone, sauf cas exceptionnel avec une tuile jaune, mais par défaut, il faut qu'ils soient tous différents dans une même zone. Et en plus, chaque bâtiment a un pouvoir. Ça peut être poser une tuile, ça peut. Enfin voilà, il y a plein de choses. On va pouvoir positionner les châteaux. C'est hyper bien parce que ça permet de rejouer immédiatement. Donc ça, c'est quand même cool. Ça permet voilà, de poser, en fait, pas rejouer, mais ça permet de poser une tuile ou de prendre une tuile sans respecter la valeur du dé. Donc ça, c'est cool. On va aussi stocker des marchandises. Quand on va positionner des bateaux, on va récupérer les marchandises qu'on devra vendre. Et vous voyez, ben, si j'ai un 5, je pourrais, au lieu de poser une tuile, décider qu'avec mon 5, je vends des marchandises, cette marchandise, enfin le lot de marchandises numéro 5. Et on a aussi des paysans qu'on va pouvoir récupérer qui vont permettre de changer la valeur du dé. En effet, si je sais pas, mes oies, j'ai à tout prix besoin de les positionner sur le 1, et alors que j'ai fait un 6 et un 4. Je pourrais utiliser un paysan, vous voyez, il y a plus ou moins 1, pour transformer mon 6 en 1. On imagine qu'on fait une boucle, on a le droit de faire une boucle dans ce jeu pour venir le positionner ici. Donc voilà, c'est très cool. Est-ce qu'on peut avoir une plateau plus. Voilà, ça peut être pas mal. Bonjour les gens. Oula, bonjour madame. À l'intérieur, il y a des sacs comme ça là. Ils sont vraiment très jolis. Oh. Ah, c'était chiant ça. On a des sacs à l'intérieur qui sont vraiment top. Voilà, c'est exactement la même édition que j'ai. C'est plutôt cool. Ça te va bien la casquette. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est le plateau principal. C'est là où, en fonction de la valeur de nos dés, là par exemple, donc le 4 et le 6, eh bien, on va pouvoir récupérer des tuiles soit au niveau du 6, soit au niveau du 4. Donc on va pouvoir récupérer cette tuile, cette tuile, cette tuile ou cette tuile. Bien sûr, avec les paysans, on va pouvoir changer la valeur d'un dé, par exemple dire que le 4 il passe en 5 pour récupérer cette tuile ou cette tuile. Voilà le principe. Au milieu, il y a des tuiles, j'en ai pas parlé. Avec l'argent qu'on va récolter, 2 pièces, ça permettra d'acheter des tuiles au milieu. Et ce n'est pas compté comme un tour. Donc voilà, ça peut être très utile. À chaque tour, en gros, on a 2 dés et on fait les actions suivantes. Donc soit prendre des tuiles au milieu,
soit positionner nos tuiles, voilà, ça. Ou soit vendre. Donc c'est très très sympa. Il y a une course aussi pour être le premier, parce que le premier il a toujours le plus de choix, donc c'est toujours plus intéressant d'être premier. C'est celui qui a le plus de bateaux, on aura une course ici. Bref, je vais pas tout montrer, ça sert à rien, mais voilà, je pense qu'il y en a plein d'images, mais vraiment bien. Alors, est-ce que je le note? Oui, je le note. Bon, je pense qu'il a raison. Je pense que Big Mich, tu as raison. Je pense que c'est un jeu. Il est forcément dans mon top 20, voire. Et je mets souvent des 8 ou des 9, souvent des 8. Mais je pense que je suis ici. Je crois que c'est la première fois que je vais mettre un 10. Mais je pense que je vais lui mettre un 10 parce que là, avec la qualité du matos et tout, ça donne trop envie d'y jouer. Là, par exemple, j'ai déjà envie d'y jouer. Là, tu vois, je suis en train d'en parler, je suis déjà en train de me dire, purée, j'aimerais bien y jouer là. Là, tu vois, Mathieu, il dirait, je viens jouer, ben, je dirais, ouais. J'aurais trop envie de jouer là. Bon, on va peut-être y rejouer dans la semaine, mais je peux pas jouer qu'à ça. Mais voilà. Bon, allez, je lui mets un 10. C'est le, je l'ai, je lui mets un 10. Non, mais il est trop bien ce jeu. Bravo, Ravensburger. Ok, je viens jouer. Ben, viens, Big Mich. Viens, je t'attends. Ah ouais, il y a 203 images. Je lui mets un 10, parce qu'il est vraiment top. Allez, on passe à un autre, parce que sinon, j'avais dit que je ne faisais pas une vidéo qui durait 3 heures. Deuxième jeu, Tiwanaku. J'en ai déjà, je vous ai fait la vidéo règle, donc si jamais vous avez des questions, vous pouvez regarder la vidéo règle. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes. Il y a eu un Kickstarter dessus, il y a marqué H14 ans. Il a une note de 7,2 quand même, hein, donc on est sur un bon jeu. Voilà. Tiens, mais je l'ai déjà noté visiblement. Je l'avais noté. Je ne savais même pas que j'avais noté, donc je l'ai noté. Oh, putain, les lunettes, elles sont encore plus sales. J'avais noté 8. Alors, je vais essayer de vous en parler parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé au début. Je trouvais que le matos et tout, il était. Le matos est top. J'ai refait des parties. Il est top ce jeu. Ouais, il y a Mathieu et Big Mich qui disent qu'il est top ce jeu. Donc voilà. Donc, je vous montre un petit peu comment ça se passe. Alors, on est sur un jeu où. T'en as encore pas entendu Oui, parler. je viens juste de commencer. J'ai un problème en fait. Ah. Du coup, je vous montre un petit peu. C'est un jeu qui est magnifique. On a une roue comme ça là, où on va pouvoir, on va mettre une. Il va falloir retrouver et essayer de gagner un maximum de points. Alors attendez, je vais plutôt vous montrer ça. Voilà. En gros, là-dessous, il va falloir essayer en premier de. Alors, attendez, j'essaie de vous trouver mieux. Attendez, j'ai pas trop réfléchi du coup. Super, j'ai pas réfléchi. J'essaye de vous trouver un plateau. Je sais pas si vous connaissez ce jeu. Mais c'est que. Voilà, on va faire un plateau comme ça. Ça, c'est le début. Bon, bah, très bien. L'idée du jeu, ça va être de faire deux choses. Trouver différentes tuiles. Vous voyez les tuiles bleues, les tuiles vertes, les tuiles marron et les tuiles jaunes. Il va falloir les positionner, essayer de trouver où c'est qu'elles sont placées. À l'aide de nos bonhommes. Nos bonhommes, ils peuvent pas aller au milieu comme ça se positionner. Ils sont toujours obligés de rentrer par une zone de l'extérieur, par les côtés là, et avancer. D'accord? Donc si par exemple il est là, je peux décider d'avancer ici. Et je vais devoir forcément m'arrêter si la zone elle n'a pas été découverte pour dire par exemple, j'imagine que c'est un bleu, un vert, un orange ou un jaune. Il faut savoir que on ne sait pas forcément où ils sont. Alors, ce n'est pas très grave de ne pas savoir où ils sont, mais ça peut rapporter des points si on ne se trompe pas. Je vais essayer de vous montrer ici. Clac, voilà. Ici, on a un système de score. Si jamais on arrive à marquer, à avancer un petit jeton d'une case et que, par exemple, à côté, si vous voyez, j'ai une même sur la même ligne, donc sur toute la ligne, j'ai des jetons, ben, je vais marquer des points. Là, en l'occurrence, si par exemple j'arrive à trouver du jaune, je vais avancer mon pion blanc, pardon, d'une case, et vous voyez que j'ai déjà un pion blanc au niveau du vert.
Donc du coup, je vais marquer 2 points. Donc il faut essayer toujours de les avoir et essayer de les avoir tous sur la même ligne. Alors c'est pas forcément facile, mais c'est l'intérêt. C'est-à-dire là, par exemple, le blanc, il aurait tendance, s'il veut marquer des points, soit à avancer le jaune, soit le vert ou soit le bleu. Si jamais il trouve un marron, ben, il avancera juste d'une case et vous voyez, il n'y a rien sur cette ligne. Du coup, il marquerait qu'un point au niveau de ses jetons. Donc il va falloir essayer de deviner comment ça se passe. Il faut savoir que les jetons, enfin en tout cas les couleurs là, elles sont forcément au maximum de 5. Donc là, on sait que là, par exemple, ici, 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 il n'y a pas de bleu. D'accord? Donc ça, c'est plutôt cool. On peut savoir aussi qu'il ne peut pas y en avoir adjacente et ni en diagonale. Donc ça veut dire que là, vous voyez une zone bleue, donc on imagine que la zone bleue peut être par là. Vous avez ici des jetons qui ont été découverts. Ce sont des jetons où on a des infos. Ça, c'est les céréales qui sont posées dessus. En tout cas, enfin, je sais pas comment on peut dire, mais vous voyez qu'il y a un chiffre 2. Ça veut dire qu'on est sûr qu'il y a forcément un 1 qui est adjacent. Donc là, là. Il y a forcément obligatoirement un 1 jaune qui se trouve ici ou ici. Pareil, là, on a un 4. On sait que forcément, il y a au moins 4 jaunes qui sont adjacents. Et donc, il va falloir essayer de jouer stratégiquement. Le deuxième truc où on peut marquer des points, c'est de deviner quel type de ressources se trouve sous notre case, ou en tout cas sur la case où on va. Pour cela, là, il y a un 4. On sait que tout autour, il ne peut pas y avoir de 4. Donc, on sait que là, il n'y a pas de 4, là, il n'y a pas de 4, pas de 4, pas 4. Enfin, bref, vous avez compris. Ici, on sait que sur cette tuile, donc, il ne peut pas y avoir de 1 non plus. Et donc c'est comme ça qu'on va essayer de deviner. Dans une même couleur, il ne peut pas y avoir deux fois le même chiffre. Donc là, on sait qu'ici, ce n'est pas possible que ça soit un ni un 4, puisqu'il y est déjà, et donc il va falloir essayer de deviner. C'est un jeu qui est magnifique. Pour vérifier à chaque fois, on va regarder la roue, on va tourner, vous voyez les petits curseurs de roue là, et ici, pour indiquer. Entre les zones rouges et les zones blanches pour dire, ben, par exemple, tiens, si je veux regarder ici, ben, je vais prendre l'amas et je vais vérifier ce symbole. Donc je vais prendre ma roue et puis je vais indiquer au niveau de la roue ici le symbole rouge qu'il me faut et en bas, ben, là, vous voyez, c'est sur le lama. Ça va me donner une réponse. Il y a deux cases possibles. Ici, ça va me donner le type de terrain et ici, le type de ressources. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir gagner des points. Moi, j'ai trouvé ça très marrant, très malin. Le seul petit hic que j'ai trouvé dans ce jeu à force d'y jouer, c'est que malheureusement, si vous vous placez à un endroit stratégique, mais enfin, si vous vous placez, parce qu'au début, on ne sait pas où on se place. Par exemple, lui, il s'est positionné, on ne sait pas s'il y a dessous. Pour le moment, il n'a pas trop réfléchi. Mais il y a forcément un 5 qui se trouve dans les bleus. Et bien, s'il ne bouge pas, et qu'il attend un peu, et bien il va marquer 5 points. Parce que quand vous retournez la tuile, vous allez gagner les points qui sont dessus. Sauf si vous vous trompez, auquel cas vous allez perdre les points que vous avez annoncés. Et donc du coup, c'est un peu dommage. J'ai trouvé ce petit point un petit peu dommage. Il faut savoir aussi que vous allez gagner des points avec les ressources. Alors je ne sais pas si je l'ai là, parce que là j'ai zoomé de ouf. Sur le plateau joueur. Tac. Non, j'ai pas le plateau joueur, non, c'est pas là. Je voulais vous montrer. Mais on va, si tu arrives à collectionner, voilà, c'est ça. Si tu arrives à collectionner une de chaque ressource, tu vas pouvoir marquer des points. Bref, il y a plein de choses à faire. Il est très sympa. Il y a pas mal de niveaux, ainsi de suite. J'avais mis 8, mais je pense que du coup, je le descends à 7. Je suis désolé, monsieur, mais du coup, je te redescends à 7. Pourquoi? Parce que voilà, il y a. Il y a des fois les mecs qui se sont positionnés bon, bah, par hasard au bon endroit et toi tu es un peu bloqué et eux ils vont marquer plein pot. Mais il est quand même cool, il est très très beau. Voilà. Je l'ai pas à la maison, mais j'avais pu le présenter et voilà. Tobago, alors ouais, je sais pas si vous connaissez. Tobago, il est magnifique. Tobago, déjà ça donne envie de jouer. C'est un jeu, alors attends, je vais refaire le début comme d'habitude, de 2 à 4 joueurs, 60 minutes une partie, et à partir de 10 ans. Tobago, c'est un jeu, vous savez, un peu à la cryptide. C'est-à-dire que vous allez devoir deviner où sont posées certaines tuiles. Il y a des trésors et c'est nous qui allons. C'est un peu perturbant,
Mais c'est nous qui allons décider où sont les trésors. Coucou Lila. Bienvenue, coucou. Bah écoute, voilà, je présente des jeux. Donc là, c'est Tobago, ça, on est sur un vieux jeu. Hein. Donc on met une carte au milieu, une des tuiles au milieu. On positionne les tuiles et vous voyez les arbres aléatoirement, tout ça, les statues. Et on va positionner des cartes. Et il faudra à chaque fois que nos cartes donnent une info supplémentaire sur le lieu. Et en gros, on ne sait pas vraiment où sont les trésors, mais c'est nous qui allons créer l'endroit des trésors. Alors, je sais pas trop comment vous expliquer ça. Je vais essayer de trouver une photo pour vous expliquer, parce que il faut que je trouve une photo. J'avais regardé un petit peu. J'avais trouvé une photo qui pouvait vous indiquer. Attendez. C'est quoi la photo qui parle le plus, pour vous parler le plus? Coucou GameStef, je sais pas si tu connais ce jeu. Bah tiens, c'est celle-là. Voilà. C'est pour vous montrer un petit peu. On a différents types de ressources. On imagine des petits trésors qui sont cachés un petit peu partout sur le terrain. Et en gros, à chaque fois, vous allez devoir mettre une carte ici. Donc sur une des quatre, sur un des quatre trésors, chaque carte que vous allez mettre doit forcément donner un indice supplémentaire pour trouver le trésor. Vous n'avez pas le droit de mettre un indice qui ne va pas nous donner d'infos. Là, par exemple, ça nous dit que cette carte, c'est le joueur vert qui l'a positionnée, c'est dans la plus grande prairie. Donc on va regarder sur notre terrain, la plus grande prairie, on sait que le trésor se trouve quelque part ici. Ici, on nous dit que c'est... alors, il faudrait que je me rappelle parce que j'y ai joué qu'une fois. Ce n'est pas adjacent à la mer. Donc, on sait que ça ne peut pas être sur les bords. Vous voyez, ça ne peut pas être tous les bords de la carte. Par contre, on nous dit que c'est dans l'eau. Donc, ce n'est pas adjacent à la mer, mais c'est dans l'eau. Là, vous voyez, ils ont commencé à se dire, bah, c'est forcément, on va aller positionner nos petits jetons trésors dans l'eau. Mais on ne sait pas quelle case c'est. Pour le moment, il y a quatre cases, vous voyez, ici, dans cet exemple. C'est à une case de la plus grande forêt. Donc on regarde la carte et on se dit, tiens, ça c'est la plus grande forêt, ben, du coup c'est forcément là, là, là ou là. Et donc ça va éliminer. Et si par exemple je suis c'est à moi de jouer, je peux très bien rajouter une carte qui dit c'est à côté d'une montagne. Auquel cas ça va enlever celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et vous voyez comment on va définir et petit à petit décider où est le trésor. Le but du jeu, c'est que vous avez des petites voitures ici, vous voyez. Et il va falloir essayer de se positionner là où se trouve le trésor. Et si on trouve le trésor, et bien là, du coup, on va, hop, gagner des points. Voilà le principe. Ceux qui ont participé au trésor en mettant des cartes vont gagner des points. On va, en fait, là, vous voyez, on imagine que, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, je suis le bleu et j'arrive à trouver le trésor. Donc, je vais mettre un pion supplémentaire bleu. Du coup, on va tirer 1, 2, 3, 4 cartes trésor plus une. On va les mélanger. Avant, le joueur bleu va regarder 3 cartes trésor, puisqu'il aura 1, 2 et le troisième pion que je vous ai dit là. Le jeune aura le droit de regarder une carte trésor. On va en rajouter une, on va les mélanger. Et après, en commençant par le bas, on va demander, est-ce que ça t'intéresse? Il y a un 2 de trésor, est-ce que ça t'intéresse? Le bleu, il va dire... Non, ça ne m'intéresse pas. On va demander au deuxième. Non, ça ne m'intéresse pas. On va demander au jeune. Et lui, il sait ce qui est passé. Il va peut-être dire oui ou il sait que ce n'est pas bon. Donc, il va peut-être dire non. Et ainsi de suite. Et donc, c'est comme ça qu'on va récupérer des trésors. C'est une version de Cryptid, mais j'ai trouvé vraiment, mais vraiment plus intéressante. Donc, ça, ce n'est pas une voiture d'origine. Hein. Attendez, j'essaie de vous montrer. Ça non plus. Ça, c'est d'origine. Vous voyez tout ça, là? Ça, c'est vraiment le matériel qu'il fournit. Voilà. Les petites statues, ainsi de suite. Et en fait, c'est un cryptide, mais il est vraiment, je vous conseille de l'essayer. Et alors, je suis toujours content parce que quand je vais chez un ami, il y a toujours des jeux comme ça qui me sortent des petites madeleines de Proust. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment très, très cool. Donc, ça fait, voilà, ça fait plaisir. Donc, voilà le jeu. Chaque partie sera différente, bien sûr. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas avoir une partie identique puisque... Déjà, la carte, vous allez la changer à chaque tour.
Les arbres, les statues, tout ça, vous allez mettre à chaque fois ailleurs. Et en fait, c'est vraiment vous qui décidez où c'est que va venir le trésor. Donc, il faut être malin. Si par exemple, toi, je sais pas, avec la voiture rouge, elle est ici, il va peut-être pas dire que c'est au bord du sable, près de l'eau, tu vois. Il va essayer de dire, bah, c'est sur la plus grande forêt. C'est visiblement celle-là. Donc, il est proche de la plus grande forêt. Et voilà. Et on va pouvoir se déplacer comme ça, ainsi de suite. Bon, je vous donne pas tous les détails, mais voilà, tout bagou. Toubago, très très cool. Hein. Vraiment, mon PC a planté. Ouh, ça se passe comment? Non, je peux pas revenir sur l'image. Ok. Pas grave. Ouais, il est de 2009, donc on n'est pas sur un jeu récent. Je vais mettre 8. Parce que celui-ci, pour un jeu de 2009, alors non, si je ne l'ai pas. Par contre, j'aimerais bien le mettre want to buy. Ou la wishlist. Moi, non, mais je mets wishlist. Parce que vraiment, j'ai trouvé qu'il était vraiment cool, celui-là. 2009, je trouve qu'il a bien vieilli. Ouais, il a bien vieilli. J'ai trouvé qu'il était vraiment intéressant. Alors, celui-ci, ça s'appelle La route des vignes, je crois. Attendez, je vous dis ça. C'est comment vous dire? C'est un roll and write. J'essaie de vous retrouver le truc. Ouais, ça s'appelle La route des vignes. Je sais pas si. Ouais, c'est encore chez mon pote qui a toujours des jeux un peu spéciaux. Donc c'est un roll and write. De 1 à 10 joueurs, 15 minutes une partie, donc ça va vite. C'est assez stratégique, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un petit peu de l'aléatoire. Le principe, ça va se jouer en 5 manches. Vous voyez, c'est les zones jaunes ici. Tu l'as dans les images à côté. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. Donc c'est les zones jaunes ici. Donc ça, c'est les 5 manches. On va tirer une lettre au hasard. Au début, on ne sait pas. E, A, B, F, C. Qui correspond au château qui se trouve ici. Vous voyez, les E, A, ainsi de suite. Le but du jeu, ça va être de marquer des points. Mais attention, pour marquer des points, il va falloir. Donc, on va. Là, par exemple, on sait qu'au début, on sait qu'on commence sur le E. Donc, le E, il est ici. À chaque fois qu'on va relier des raisins, ça va faire des points. D'accord? Donc, là, par exemple, on imagine que là, il avait marqué 2 points. Et en fait, ça veut dire qu'il avait fait des traits, mais il avait surtout relié que ces deux raisins. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas relier trop de raisins, parce que à chaque fois. Que vous marquez, pour marquer des points, il faut toujours que ça soit inférieur, enfin que la manche d'après vous fassiez plus que la manche d'avant. Sinon, vous perdez des points. Donc là, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a 2, 4, 5, 37, 40. Et il va falloir à chaque fois faire attention en te disant, ah ouais, on est sur le A, alors le E, j'avais fait que 2 points, donc là, il faut que je fasse plus de points. Et ainsi de suite. Donc il faut vraiment calculer, sauf qu'en fait, tu ne sais pas ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est des cartes avec des traits comme ça. Qui vont nous dire ben, c'est des traits horizontaux, des traits verticaux, ainsi de suite. Et tu sais pas ce qui arrive. Donc du coup, tu essaies de prévoir, mais sans trop prévoir, puisque tu ne connais pas les lettres. Tu peux passer ton tour pour aller regarder la future lettre. Ça peut être utile quand même. Voilà le principe. Vous avez après des points avec les châteaux roses et les châteaux verts. Le château rose, ben, il va falloir compter tous les raisins qui sont reliés au château rose. Le château vert, bah, vous avez compris, tous les raisins verts qui sont reliés au château. Et à la fin, celui qui a fait le plus de points a gagné la partie. Je vais essayer de vous montrer hop, dans les images les cartes. Voilà, c'est ça. Donc voici les cartes qu'on a. À chaque tour, on va retourner une carte. Vous voyez, des cartes comme ça. Mais là, il faut vraiment faire cette forme. Mais tu peux pas la retourner, tu n'as pas le droit de la bouger. Hein. C'est vraiment exactement cette forme. Donc là, par exemple, je pourrais faire un trait et dire ça part comme ça. D'accord? Quand il y a, alors je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises, mais quand il y a un certain nombre de cartes jaunes, ça arrête immédiatement la manche. Donc c'est pareil, tu ne peux pas gérer la manche. Des fois, tu vas jouer 10 fois et des fois, tu vas jouer 4 fois. Ou 5, je ne sais plus combien c'est. Donc c'est assez aléatoire. C'est sympa parce que c'est assez rapide. Le gars là qui fait qui me présente ces jeux, souvent, souvent les jeux, je les aime beaucoup ces jeux. Celui-là, je n'ai pas trouvé qu'il était mauvais, mais
Il y avait tellement d'aléatoires que du coup, quand tu arrives à faire un truc, tu es assez content quand même. Donc si je devais le noter, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça serait un 6, mais je ne vais pas le mettre dans ma wishlist, quoi. Parce que ouais, maintenant, il y a des jeux, des Roll'n'Ride qui sont quand même vachement bien. Et c'est étonnant parce que lui, il aime beaucoup ce jeu. Et souvent, on a les mêmes goûts. Mais là, j'avoue, j'ai pas été embarqué. J'ai joué au Colon de Catane, le jeu de dés. Je ne savais même pas que ça existait. Un jeu de 2 à 4 joueurs. 30 minutes une partie. Le jeu, il est en... Les gars, le jeu, il est en noir et blanc. On a carrément des feuilles comme ça. Il n'y a pas la couleur. Je ne savais même pas que c'était possible. Il date de quand ce jeu? De 2007. Ah oui, il est vieux quand même. Et donc, du coup, le jeu, il est vraiment en noir et blanc. Ça déjà, ça, tu vois, ça m'a mis un petit coup au moral de dire, ah, j'ai envie de jouer à un jeu en noir et blanc. L'idée, c'est simple. Je vais essayer de vous montrer mieux. En fait, on va avoir des dés qu'on va devoir jeter. On aura trois lancers pour essayer de faire des choses. Pour ceux qui ont joué à Catan, c'est vraiment, c'est vraiment un Catan, hein. Je voulais vous montrer peut-être merde. Celle-là. Voilà. Le but du jeu, ça va être de faire en lançant nos dés, d'arriver à faire des routes. Tac, pour voyez, on part d'ici. Hop, plus on va faire de routes. Si on arrive à faire 5 routes, on aura la plus grande route. Donc on va pouvoir marquer des points, 2 points. Les autres, bien sûr, vont pouvoir faire plus, vous dépasser, donc récupérer ces 2 points. On va pouvoir faire pareil, hein, des villes ou alors des colonies. Et du coup, il va falloir lancer les dés pour essayer de récupérer ça. On va pouvoir avoir des... Je sais plus comment ils appellent ça, les personnages. Les personnages vont vous donner des bonus que vous pourrez utiliser plus tard. Bien sûr, comme à Catan, vous ne pouvez pas construire cette colonie si vous n'êtes pas arrivé ici avec la route. C'est le même principe. Par contre, Ah, c'est les voleurs, je crois que ça s'appelle. Vous pouvez, par contre. Les armées, là, vous pouvez, ou enfin, je sais pas le nom, vous pouvez les construire même si vous n'êtes pas adjacent. Et donc, le but du jeu, ça va être d'arriver à faire des points comme ça, en lançant les dés. J'ai trouvé, enfin, on a trouvé, parce qu'on était plusieurs, que le jeu était hyper long. J'avais l'impression de jouer à Catan, en fait. J'avais l'impression de jouer à Catan. Et c'est la même chose. Ça existe, ouais, ça existe, ouais. Je savais même pas que ça existait. Donc en fait, c'est long. Il y a encore plus de chances qu'à Catan, l'autre. T'es un peu moins frustré, par contre. C'est vrai que t'es un peu moins frustré parce que c'est toi qui jettes tes dés. Donc t'es pas. Je sais pas comment dire. À Catan, des fois, tu te fais voler, tu fais rien. Là, tu joues pour toi. Donc en fait. C'est pas pareil, t'as pas le côté frustration. Et donc voilà, le principe c'est ça, hein. Avancer avec des routes et arriver, je crois, à 10 points, mais en fait il faut presque. Ça dégage direction. En fait, enfin, c'est long parce que pour gagner, en gros, faut presque avoir tout fait en fait. Donc en fait, c'est très long. Voilà, bon. Voilà, vous avez compris. Là. Je vais mettre un 5 parce que moi celui-là il m'a saoulé en fait. Vraiment, on a fait une partie, il m'a saoulé. Et en fait, par contre, j'ai trouvé qu'il était limite mieux que l'autre parce que t'as pas le côté voilà frustration. T'arrives à faire des trucs. On a joué aussi à Cathédrale Rouge. Donc on a joué à Cathédrale Rouge. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 80 minutes. À partir de 10 ans, c'est un jeu que j'ai trouvé génial. J'avais déjà testé. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, la boîte, elle est toute petite. Alors, ça est toujours incroyable. C'est que la boîte, elle est vraiment minuscule. À chaque fois, j'imagine, comme c'est un jeu quand même bien stratégique, à chaque fois, je me dis, c'est dans une grosse boîte. Et en fait, non. Ils ont fait ça dans une petite boîte. Et j'aime beaucoup. On va peut-être regarder là. Le principe, bon, on voit pas trop, le principe c'est de construire la cathédrale
en donnant les ressources qui vont bien. Et au milieu, vous allez avoir le plateau avec les dés. Les dés vont vous permettre de gagner des ressources qui se trouvent ici, là, symbolisées ici, là, les petits, par exemple, là, deux bois. Mais pour pouvoir y aller, ben, vous allez choisir un dé et il faudra avancer du nombre de cases indiquées par le dé. Par exemple, le 6 bleu, ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il arrivera ici, ben, du coup, ça me fera gagner deux briques. Je pourrais bien sûr rejeter, il faudra bien sûr rejeter le dé ensuite pour pas que ça soit tout le temps un 6. On va avoir un plateau de joueurs. Je vais essayer de trouver une meilleure photo. Parce que c'est compliqué en fait de trouver les bonnes photos. Je voulais vous mettre mes photos, mais c'était tout. Il y avait pour trop longtemps. Tiens, ça va pas mal ça. Voilà, ça c'est le plateau. Et en plus, vous allez avoir votre plateau de joueurs. Votre plateau de joueur, vous allez pouvoir récupérer des bonus qui se trouvent ici sur la cathédrale. Et donc du coup, là, par exemple, on voit que quand on va jouer le dé rouge, donc là, on imagine, tiens, il joue le dé rouge, il fait 1, 2, 3, 4. Du coup, il y a 3 dés, donc il va gagner 3 fois 2 bois, donc il va gagner 6 bois. Et en plus, il va bénéficier de l'effet du dé bleu, qui est de gagner 2 bois de plus. Donc du coup, vous voyez, ça fait 8 bois et qui va venir positionner ici. Bon, désolé, Gigo, je pars pour la terre du milieu. Bon live et à tous et bonne soirée. Bonne soirée, GameSafe, pas de problème. Du coup, ça va gagner 8, il va gagner 8 bois. Mais le problème, c'est que vous voyez, ici, il y a des cases. Et là, vous n'allez pas pouvoir dépasser le quota. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre tout le bois. Vous n'allez pas avoir assez de place. Là, on voit qu'il ne lui reste pas assez de place pour prendre 8 bois. Donc il va falloir faire attention. À un tour de jeu, donc ça va être de jouer des dés, mais ça va être aussi de récupérer des zones qui se trouvent ici pour construire la cathédrale et pour venir se positionner. Là on est plutôt sur une fin de partie, donc je vais essayer de vous trouver une photo, une image qui montre la cathédrale pas finie de construire. Par exemple, ouais, celle-là est un peu finie quand même. Souvent les gens ils prennent des photos en fin de jeu, mais j'avoue je fais pareil, alors je vais pas dire. Ils sont bien avancés à chaque fois les parties. Hein. Il n'y a pas une photo de cathédrale pas finie? Non. Je vais peut-être pas trouver. J'essaie de vous trouver ça, mais sinon. Ah ouais, il y en avait un morceau là, mais on voyait pas tout, mais bon, je vais peut-être vous montrer parce que j'arrive pas à trouver ce que je cherche. Elles sont toutes bien avancées, les cathédrales. C'est celle-là que j'ai vue. Tac, ici. Voilà, la cathédrale, quand elle est pas construite, elle est comme ça. Et donc c'est là où on va récupérer nos bonus et on va venir positionner un petit drapeau qui va nous libérer un peu de place au niveau du stockage. Mais surtout qui va nous permettre de gagner des points si on y arrive. On va venir positionner, donc par défaut on passe toujours du bas vers le haut, hein, notre drapeau, mais s'il y a quelqu'un qui a positionné son drapeau ici, on va pouvoir se positionner au-dessus. Et là, ça nous dit que pour construire cette étape de cathédrale, il faudra un bois, deux argiles et une émeraude. Dans ce cas-là, on gagnera 6 points de victoire et 3 pièces. Hello, il a l'air sympa celui-là. Ouais, Sileps, il est très très sympa. Il est stratégique. Il y a plein de choses à faire, c'est vraiment pas mal. Je regrette un peu en fait, il faudrait vraiment que je mette des photos à moi, mais c'est pas mal. Et en plus, l'idée c'est que si par exemple au début tu as envie de dire tiens, je prends tous les bonus parce que c'est des dés bleus, des machins, ben non, parce que si lui il construit avant que celui-là il ait construit, et eh bien il va perdre des points, il va perdre un point. Donc tout est assez stratégique. Je vais essayer de vous remontrer d'autres photos. Donc ça, c'est plutôt fini. Mais vous voyez, là, la cathédrale est finie. On va marquer des points aussi, celui qui est majoritaire sur chaque cathédrale. Bon, là, vous voyez, le rouge, il est là, là et là. Donc là, il en a trois. Mais le bleu est là parce qu'il a mis, vous voyez, une petite fenêtre et aussi une petite croix en haut. Donc du coup, le bleu fait partie de cette cathédrale. Et on peut gagner des majorités comme ça. Là, par exemple, vous voyez, il y a le bleu,
qui a fait ces deux cartes, mais il y a le rouge aussi qui est présent avec ces cathédrales. Et donc tout le principe, ça va être ça. Ah ben tiens, là on a des cathédrales qui ne sont pas construites. Vous voyez sur le côté, ça c'est des cathédrales qui n'ont pas été prises. On va pouvoir marquer des points ici aussi en positionnant du coup nos portes. Là on voit une porte bleue, ainsi de suite. Et là, les ressources. Je peux pas vous en parler plus que ça parce que c'est un peu compliqué d'expliquer, mais celui-là est très très sympa. Vraiment, il est cool. Encore une fois, c'est une toute petite boîte, donc quand on n'a pas du tout l'impression que c'est un gros jeu. Et pourtant, alors les règles sont pas ultra compliquées. Il se joue assez rapidement. Tu poses un dé, tu t'avances du dé. Je lui mets combien? J'hésite entre 7 et 8. Je ne sais pas du tout s'il est sur Béja. Je vais lui mettre entre 7 et 8. J'aurais bien mis 7,5, mais on ne peut pas. Hein. Non, on peut pas. Je vais lui mettre 8. Allez, je vais lui mettre 8. Et j'avoue que je le mettrais bien dans ma wishlist. Voilà. Il est cool. Il est agréable à jouer. Petite boîte qui prend pas trop de place. On voit que la note, elle est de 7,7. Hein, donc on est sur un bon jeu. Donc c'est plutôt cool. Coucou Carter, est-ce que tu vas bien? Ça va mon cher Carter? On a joué aussi à Paranormal Détective. Alors ça c'est des plus... parce qu'en fait, là je vous fais le résumé de... Alors je vais pas vous faire tous les jeux parce que sinon, voilà. Et puis madame, elle a besoin de moi apparemment, donc je vais pas trop... J'essaye de pas trop traîner. En fait, ça fait 2 semaines que je vous ai pas fait de vidéo. Et du coup, j'ai testé tous les jeux qui sont là-haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc j'ai testé plus de 20 jeux. Merci Carter pour ton abonnement. Merci beaucoup. 12e mois. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Donc voilà, j'ai testé plus de 20 jeux différents. Donc du coup, c'est chaud, chaud, chaud. Bonsoir, tu peux mettre une note en saisissant dans la zone de saisie avec un point. Ah, je savais pas de solo. Ah, ben sinon, tu vois, j'aurais mis 7,5. Parce que je vais essayer alors du coup. Tu me dis que. Je peux vraiment mettre 7,5? Ah, mais c'est cool! Ah ouais, merci! Bah écoute, c'est cool, merci beaucoup. Paranormal Détective, donc ça, on a fait une soirée Halloween. Je sais pas si vous l'avez vu, on était sur Twitch. Et du coup, ça a joué. C'était plutôt cool. Donc, Paranormal Détective. C'est un jeu où c'est assez rigolo pour le fantôme et pour les autres. Le fantôme est mort, il y a eu une histoire. Alors, les gars, il y a des histoires bien compliquées parce que c'est le but du jeu, c'est que ça soit un peu que tu t'arraches les cheveux, tu vois. Donc, le fantôme est mort et il doit essayer de faire deviner ce qui s'est passé. Vous devez répondre à la question qui, pourquoi, comment il a tué telle personne. Et le principe, bah, je vais vous en donner un. Alors je vous donne une réponse du jeu, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Il y avait une personne, il fallait qu'on trouve pourquoi la personne était morte et ainsi de suite, et qui l'avait tuée et ainsi de suite, et pourquoi. En gros, elle est morte. On sait juste qu'elle est morte et qu'elle est pleine de sang. Et en gros, l'histoire, c'est qu'il y a quelqu'un qui a voulu se suicider. Et au moment où le gars a sauté, la personne qu'on essaye de trouver, elle était en train de se balader tranquillement. Et en gros, le mec lui est tombé dessus, il l'a tué. Et voilà. Donc il fallait essayer de comprendre pourquoi. On n'arrivait pas à trouver pourquoi. Ah oui, il faut trouver le lieu aussi où ça s'est passé, ainsi de suite. Et c'était assez rigolo. Pour cela, en fait, vous allez avoir plein de choses. Le fantôme, on va pouvoir lui demander de l'aide. Avec plein de choses, donc une petite table de Ouija, avec tiens, bah là il y a un peu tout, avec deux morceaux de fil de fer. Là, il va falloir qu'elle arrive à nous dessiner. Par exemple, tu as très bien le droit de lui dire c'était qui, et donc elle va essayer de te dé ou c'était où, et elle va essayer de te dessiner, en tout cas de te former les morceaux pour essayer de te faire deviner. Vous avez ici, je ne sais plus le terme, mais c'est une planche qui vous permet, par exemple, si vous demandez une info, avec ces trois petits curseurs, de les positionner. Et vous voyez, est-ce que c'est quelqu'un de jeune, quelqu'un de vieux, est-ce que ça faisait du bruit ou pas de bruit,
Est-ce que c'était un enfant, pas un enfant? Est-ce que c'était un ange ou un démon? Et donc, est-ce que c'est léger comme une plume ou plutôt gros? Et donc, elle va bouger les curseurs et on va essayer de deviner. Donc, il y a plein de choses. Il y a écrire dans le dos. Il y a quelqu'un qui. Le fantôme fait le dessin dans votre dos. Bref, il y a vraiment plein de choses. J'essaie de trouver des cartes, mais voilà. Chaque personne va avoir des cartes et va devoir les jouer et dire, bah, par exemple, on va dire au fantôme, bah, là j'aimerais bien que tu me fasses avec la séance, avec la table de Ouija, que tu essayes de m'écrire qui a tué. Et donc voilà. Voilà le principe. Moi j'avais déjà joué, ça faisait un moment que je l'avais, et à chaque fois que j'y ai joué, bah, j'ai trouvé ça cool. À chaque fois on a passé un bon moment. Aussi bien pour le fantôme en fait que les autres. Alors bien sûr, ah oui, c'est là où c'est écrit. Bon, c'est pas en français, mais vous avez compris, il va falloir trouver qui, pourquoi, où, comment et l'arme. Et donc nous, on va essayer d'écrire et il va falloir essayer de trouver les bonnes réponses. Ce qui est, faut faire attention, c'est qu'à chaque fois que vous posez une question, tout le monde, bien sûr, entend la réponse, voit la réponse. Donc, il faut essayer, quand vous n'êtes pas loin de la réponse, d'essayer de masquer un petit peu, peut-être poser des questions. Avec des cartes qui ne donnent pas trop d'aide aux autres. Et une fois qu'on a trouvé, ben, qu'on pense avoir trouvé, on demande au fantôme est-ce que c'est bon? Le fantôme vous dit ben, vous avez 3 sur 5 et donc vous avez le droit à 2 chances. Et quand quelqu'un a trouvé 5 sur 5, ben, il a gagné la partie. Voilà le principe. Je vais lui mettre une note de 7 parce qu'il est cool. Je l'ai d'ailleurs, tiens, je vais le mettre à 1. Il est agréable à jouer. On rigole autour de la table. Bref, c'est sympa. Et puis on peut jouer, vous avez vu, de 2 à 6 joueurs. Donc ça c'est cool quand même. Je sais pas si je l'avais dit. Le dernier que je vous présente, parce qu'après je vais y aller, parce que je ne veux pas vous présenter tous les jeux que j'ai fait, je referai une vidéo. Mais il y a madame qui a besoin de moi, donc je ne sais pas pourquoi. Donc il faut vraiment que j'y aille. C'est Potage Sauvage. Potage Sauvage, c'est un jeu de chez Yello. Je sais pas où il est, il n'y a pas la couve en français, si c'est ça la couve en français, Potage Sauvage. C'est un jeu rigolo de 2 à 5 joueurs. C'est rapide à partir de 8 ans, 30 minutes une partie. Et l'idée, ça va être beaucoup de pourrir l'adversaire. En gros, on va avoir des cartes de mission qu'on va jouer on va choisir à chaque tour une mission. Je vais essayer, tiens, bah vous montrer là. Ici, par exemple, si je joue celle-là, pour chaque bleu que je vais récupérer, je marquerai un point. Par contre, pour chaque botte, je perdrai des points. Voilà, il en existe pour les vertes, les rouges. Il y en a où il ne faut pas gagner du tout de cartes, sinon vous allez perdre des points, mais vous avez en échange 5 points de victoire. Et le but du jeu, c'est d'arriver à jouer. Donc, on va jouer les 5 manches. Décidément, tous les jeux, ils sont en 5 manches. Et à la fin des 5 manches, on va regarder qui a le plus de points. Bien sûr, on a tous les mêmes objectifs, donc il faudra choisir les bons objectifs. Et l'idée, c'est qu'il va falloir jouer nos cartes. Vous voyez, c'est un peu voilà, des cartes comme ça. L'idée, c'est très simple, on est sur une sorte de bataille. C'est-à-dire que, en gros, celui qui aura la carte la plus forte, pas du tout. Écoutez pas ce que je dis, je me fais avoir à chaque fois. Pas du tout. L'idée, c'est de pas. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, je me fais avoir. L'idée, c'est de ne pas arriver à une certaine somme. Je sais pas pourquoi à chaque fois je dis ça. L'idée c'est de ne pas arriver à une certaine somme. Par contre, vous êtes obligé de jouer la couleur demandée. Donc, si quelqu'un joue un 4 rouge, vous êtes obligé de jouer du rouge jusqu'à que tout le monde fasse joue du rouge. À chaque fois qu'on joue du rouge, on va donner bah, la valeur. Donc là, par exemple, je joue un 4 rouge. Le suivant, il met un 2 rouge. Donc, il va dire 6 parce que ça fait 4 plus 2, ça fait 6. Le suivant, on va par exemple dire je n'ai plus de rouge, donc du coup il va pouvoir jouer ce qu'il veut. Sinon on n'a pas la couleur, on peut jouer ce qu'on veut. Par exemple, il va donner cette carte bleue. Cette carte bleue, vous voyez, il n'y a pas de chiffre, en fait c'est 0. Donc il va dire ben, c'est toujours 6. Et ensuite, ça va être au suivant et ainsi de suite. Dès qu'il y a un joueur qui arrive à 10 ou plus, eh ben, il va récupérer les cartes. Et donc c'est un jeu où je vous dis on peut le pourrir parce que du coup, je ne sais pas si le joueur à ma gauche, il a besoin de récupérer du rouge. Ben, je peux tout à fait, et qu'il y a du rouge qui tourne, je peux très bien jouer une grosse carte pour récupérer le rouge et pour pas qu'il ait. Et en fait, tout le principe est là. Quand il y a ici des cartes de bottes,
Donc en fait, c'est les bottes ici, là. Quand on va jouer ça, ça veut dire qu'on n'a pas bien sûr la couleur. Et à partir du moment où on joue ça, on peut jouer n'importe quelle couleur de carte derrière. On n'est plus obligé de respecter la couleur de carte. C'est un jeu que j'ai testé à Vichy. On a fait plusieurs parties. J'ai fait des parties avec d'autres amis, ainsi de suite. Et bah, écoutez, il est agréable. Il est cool. Il est sympa à jouer. Moi, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Agréable. Ça rigole autour de la table. Il y a une partie de chance parce que suivant les cartes que vous avez, bon bah vous avez compris que vous pouvez vous faire pourrir et puis bah voilà, vous ne savez pas quoi faire et vous êtes un peu dans la merde. Mais le côté voilà de s'amuser à pourrir l'autre, c'est toujours très rigolo. Ça fait rire tout le monde. Donc je vais lui mettre, maintenant que je sais qu'on peut lui mettre un. Non, je vais mettre un 7. Je vais y mettre 7,5, mais non, je vais mettre un 7. Mais cool, voilà, un petit jeu à sortir comme ça, à l'apéro, voilà. C'est sympa. Je mets pas de commentaire du coup. Mais non, il est cool. Une belle découverte. Voilà, après du coup, voilà, je vais pas rester très longtemps. Mais je vais juste vous montrer les jeux que j'ai joués. Comme ça, vous savez les jeux qui vont arriver dans les futures vidéos. On a joué à ce jeu-là, qui est Fou Allié. On a joué à Lucky Number. Bon, je suppose que vous connaissez. On a joué à Kingdom Builder à la Big Box. Bon, ben ça c'est un de mes jeux préférés. On a joué à Dragon Castle. On a joué à Cubitos. On a joué à La Petite Mort, avec son extension. On a joué à Alhambra. On a joué à Viking, un vieux jeu de 2007. On a joué à Guédélon, le jeu, un jeu coop. On a joué à Landfest de Troy. On a joué plusieurs parties de Terraforming Mars, The Dice Game. Et Pook. Voilà tous les jeux que vous avez vus, il y a de quoi faire. Hein, parce que du coup, il en reste quelques-uns à vous montrer. Hein. Voilà, est-ce que je ne me suis pas trompé dans les jeux que je devais présenter? Ouais, c'est ça. Donc, pour la partie 3, il y a tout cela qu'on vient de voir. C'est déjà pas mal. Et puis, il y aura une partie 4. Peut-être dans la semaine, si jamais j'ai un peu de temps. Parce que, en fait, j'ai un peu de retard du coup sur les jeux. Donc, peut-être je vous en referai un pour la partie 4. J'essaye de ne pas mettre 200 jeux. Parce que sinon, au bout d'un moment, les gens, ça les intéresse plus. 8, c'est déjà pas mal. Et puis là, ça fait presque 1 heure, pile poil. Donc, c'est cool. Voilà. Voilà l'idée. Bon, et bien les amis, je vais vous laisser. C'est un peu rapide, mais c'est que je sais pas, je suis un peu inquiet pourquoi madame elle était énervée. Il faut que j'aille voir. Peut-être elle a besoin d'aide. Et puis je vous dis à bientôt. Mathieu, on pourra se voir. Hein. On s'écrit. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'en tout cas, ça vous donne des idées. Des jeux que vous allez dire, ah oh ouais, j'aime bien l'idée, ou j'aime pas du tout le principe, ou peut-être que j'ai envie de tester. Et puis voilà, on se tient au jus, pardon. Bonne soirée. Merci, merci. Et puis bah, je vous en referai un sûrement dans la semaine pour rattraper un petit peu mon retard. Donc je sais pas quand. Je sais pas quand c'est qu'on joue avec Mathieu. On vous dira ça. Et puis voilà. Bonne soirée, les amis. Vous avez vu, c'était pour une fois un live très rapide.